Au début de la NASCAR, les pilotes étaient principalement originaires des États-Unis. Au fur et à mesure que le sport a pris de l'importance, la NASCAR a commencé à attirer des pilotes provenant d'autres formes de courses automobiles aux quatre coins du monde. Mario Andretti was born in Italy. Basically a USAC driver, but he'll try it in anything that has wheels. Dans cet épisode, nous allons aborder l'histoire des pilotes internationaux de la NASCAR. Le premier pilote étranger à remporter une victoire en NASCAR est également l'un des plus performants à courir dans les Cup Series. Mario Andretti n'a pris que 14 départs en compétition de NASCAR, mais ça lui a suffi pour remporter l'événement le plus prestigieux de ce sport, le Daytona 500, en 1967. L'Italien reste à ce jour le seul pilote de Formule 1 à avoir remporté une course de la NASCAR. En 1974, Earl Ross devient le premier Canadien à remporter une victoire en Cup Series sur le circuit de Martinsville. Bien que Ross ait participé à seulement 26 courses dans sa carrière, la même année, il a été rookie de l'année dans la NASCAR Cup Series. Il faudra attendre plus de 30 ans pour qu'un autre pilote international se retrouve sur la Victory Lane en Cup Series. Le Colombien Juan Pablo Montoya est passé de la Formule 1 à la NASCAR à la fin de la saison 2006. Il a remporté sa première victoire en 2007 sur le circuit de Sonoma. Juan Montoya, 31-year-old Colombian native, wins in the NASCAR Cup Series. Montoya a couru à plein temps en Cup Series jusqu'en 2013, mais il n'aura remporté que deux victoires en Cup Series et une seule en Xfinity. Suite à sa carrière dans la NASCAR, Montoya est revenu à la monoplace, où il a remporté pour la deuxième fois l'Indianapolis 500 en 2015. Le pilote australien Marcos Ambrose a débuté dans la NASCAR Camping World Truck Series en 2006 avant de grimper les échelons dans la NASCAR Cup Series. Ses 5 victoires en Xfinity et ses 2 victoires en Cup Series font de lui le pilote international le plus titré en NASCAR. Oh, Marcos Ambrose, he chased a dream. He wanted to be a Formula One driver in Europe. He said, I can drive on a road course. Somebody give me a chance. And he got it done today. His first win in NASCAR. Comme Montoya, Ambrose était connu pour sa réussite sur des circuits routiers. Il a dominé pratiquement toutes les courses routières de NASCAR auxquelles il a participé. C'est sur le circuit de Watkins Glen qu'il a décroché toutes ses victoires, à part une. Ambrose a quitté la NASCAR après la saison 2014 pour revenir au championnat V8 Australian Supercars. En NASCAR, c'est dans les Xfinity Series que la plupart des victoires par des pilotes non américains ont été remportées. En plus de Montoya et Ambrose, 4 autres pilotes ont remporté des victoires dans ce championnat. Le pilote canadien Larry Pollard a été le premier à s'imposer en Xfinity Series en 87 sur le circuit de Langley. Ça a été ensuite le tour de Ron Fellows de remporter une victoire en NASCAR. Originaire du Canada, Fellows a gagné 4 fois en Xfinity Series et 2 fois dans les Camping World Truck Series. Sur ces 6 victoires, 5 se sont déroulées sur le circuit de Watkins Glen International. Cela n'a surpris personne, Fellows étant connu pour être un spécialiste de la course routière. Bien que sa carrière en NASCAR s'étende sur 3 décennies, il a couru presque exclusivement sur des circuits routiers, ne prenant qu'un nombre réduit de départs chaque saison. Un autre pilote international à s'être imposé à la fois dans les Xfinity et les Truck Series, c'est Nelson Piquet Jr. L'ancien pilote de F1 est arrivé en NASCAR en 2010. Il a pris le départ dans les 3 championnats nationaux. Piquet a réellement explosé en 2012 en remportant 2 victoires en truck au Michigan et à Las Vegas. Il a également remporté une victoire sur un circuit routier en Xfinity Series à Road America. Piquet a quitté la compétition à plein temps en NASCAR après la saison 2013. Il court actuellement en Formule E. Le pilote Daniel Suarez, qui court actuellement en Monster Energy Cup Series, est rapidement en train de devenir l'un des pilotes internationaux les plus performants. Originaire de Monterrey, au Mexique, Suarez a débuté sa carrière dans les NASCAR Peak Mexico Series. Après avoir été nommé au programme de la NASCAR Drive for Diversity, Suarez a passé un an en Key & Pro Series avant d'être choisi pour courir pour la Joe Gibbs Racing dans les Xfinity Series en 2015. Ce championnat a bien réussi à Suarez, qui n'a pas tardé à terminer 8 fois dans les 5 premiers cette année. Et l'année 2016 s'est révélée encore plus satisfaisante. Des victoires à Dover et au Michigan lui ont permis de se qualifier pour le Chase. Et une 3e victoire dans la dernière course de la saison sur le Homestead Miami Speedway lui a permis de remporter le championnat. As he comes out of turn number 4, he will be the first ever international champion in NASCAR.
Après le départ en retraite de Carl Edwards à la fin de la saison 2016, Daniel Suarez est devenu le nouveau pilote de la Toyota numéro 19 pour Joe Gibbs. On peut s'attendre à ce qu'il ajoute bientôt une victoire en Cup Series à son CV. Bien que ces 8 pilotes aient été les seuls pilotes internationaux à avoir atteint la Victory Lane dans les plus grands championnats NASCAR, de nombreux autres ont concouru dans ce sport. Le Québécois Patrick Carpentier et Alex Tagliani ont passé du temps au volant de Stock Car. Tous deux ont décroché de multiples reprises la deuxième place dans les courses routières des NASCAR Xfinity Series. Un autre pilote québécois, Jacques Villeneuve, a également pris un certain nombre de départs dans les courses routières en NASCAR. Même s'il n'a jamais remporté de victoire, il a toujours été un challenger sérieux sur ces circuits. Le pilote écossais d'IndyCar Dario Franchitti a été présent dans les trois championnats NASCAR en 2007 et 2008. Sa carrière en Cup Series a pris fin après qu'une blessure l'ait laissé sur la touche pendant pratiquement toute la saison 2008. Une fois remis, il est revenu à la course IndyCar où il a remporté trois championnats à la suite. Le pilote italien Max Papis a eu une longue carrière en NASCAR en courant à temps partiel pour plusieurs équipes. Comme de nombreux pilotes étrangers, Max est connu pour ses talents en course routière. Il a terminé à plusieurs reprises dans les 5 premiers sur les circuits routiers. Son action la plus récente en Cup Series l'a vu prendre le départ à la place de Tony Stewart blessé à Watkins Glen en 2013. Max a également eu une grande influence dans ce sport en tant que coach de conduite. Il a passé du temps en tant que coach de conduite chez Richard Childress Racing et a contribué à faire progresser les stars actuelles des Cup Series, Austin et Ty Dillon. Max a également participé à la fois en tant que pilote et propriétaire de voitures au Willen Euro Series. Les Camping World Truck Series ont vu passer de nombreux pilotes internationaux ces dernières années. En plus des vainqueurs de course Ron Fellows, Nelson Piquet Jr. et Daniel Suarez, de nombreux pilotes internationaux ont concouru dans son championnat truck. Deux des plus performants sont Miguel Paludo et German Quiroga. Né au Brésil, Miguel Paludo a concouru à temps plein dans les Truck Series de 2011 à 2013. Il a fini dans les 10 premiers dans plus d'un tiers des courses auxquelles il a pris part. Le pilote mexicain German Quiroga a passé, lui, 2 ans à concourir en truck en 2011 et 2012. Il a surtout eu du succès dans la NASCAR Peak Mexico Series, où il a remporté 3 championnats à la suite entre 2009 et 2011. Quelques pilotes internationaux grimpent aussi actuellement les échelons au sein de la NASCAR. Le double champion de NASCAR Willen Euro Series, Anthony Kumpen, a participé à quelques courses aux États-Unis. Le pilote belge a pris des départs en Xfinity Series et en KIN Pro Series, tout en courant à plein temps dans les Willen Euro Series, où il a remporté le championnat en 2014 et 2016. L'Israélien Alan Day a débuté dans la NASCAR National Touring Series en 2016. Il a couru à temps partiel dans la Xfinity Series et la Truck Series et a même débuté en Cup en 2017 à Sonoma. Après une année dans les Willen Euro Series en 2015, Alan Day a été choisi pour le programme Next de la NASCAR, conçu pour faire progresser les pilotes ayant le potentiel pour courir en Cup Series. Et il a également été élu athlète de l'année en Israël en 2016. La NASCAR continue de développer à l'international et il y aura sûrement de nouveaux pilotes internationaux qui se révéleront à tous les niveaux de la compétition NASCAR. Alors, patience, votre pilote favori sera probablement très bientôt sur un circuit.